Mais avant tout, docteur Gabi Blaise et son monde qui pèse dans le doigt, qui en France, qui a réfléchi, qui a fait pile de débat, la profession d'avocat, avant d'entrer dans le code pénal là, ok? La profession, l'exercice de la profession d'avocat dans le pays d'Haïti. Comment est ça? Radio Omega. Bon, écoute, c'est une question qui est assez extrêmement compliquée pour me répondre parce que, premièrement, votre avocat, l'exercice, et pourquoi en tant qu'avocat, nous gagnons un principe, les principes de confraternité. Et par principe, ça, nous gagnons. En pile réserve, c'est que. Il faut gagner humilité, il faut gagner bienveillance et il faut gagner tout, pas le dire solidarité dans sa mal, mais quand même que il faut gagner respect pour les noyaux. Mais en même temps, tout, dans l'intérêt général, je pense que sinon, toutes que nous étions muets d'observation devant détérioration exercice profession. Et de jour en jour, que n'a pas assisté en profession, qui manquait de prestige. Alors que dans toutes les grandes démocraties et dans tous les pays organisés, c'est que la profession d'avocat a été en profession qui noble, pour ça noble, pas parce que c'est lui-même qui générait beaucoup plus d'argent, c'est pas ça. Et même Saint-Yves, la preuve, comment témoigne Saint-Yves, mais c'est parce que tout simplement, c'est en. Comme on guide son modèle pour société, c'est clair que pour inspirer société, ça a confiance, ça a bonne conduite. Mais malheureusement, n'a pas assisté en profession d'avocat qui n'a pas exercé très bien en Haïti, malgré tout respect que nous avons pour confrères, pour Enéo, notamment Enéo, mais nos grandes professions qui n'ont pas réglementé. Pas réglementé pour qui ça? Parce que la discipline des avocats n'est pas respectée. Je ne pas dire qu'effectivement, que nous avons décret 79 qui réglementé profession, hein, et déjà, nous avons un gros problème que nous avons décret ça, parce que décret, et nous avons une institution qui. Qui connaît, qui coiffait la profession d'avocat, qui c'est la fédération des barreaux. Peut-être ça me va le dire en lien avec un petit peu gênant, qui est capable d'entraîner des inimitiés, mais parfois il faut dire la vérité. La fédération des barreaux à ce jour n'existe pas sur le plan institutionnel. C'est que le décret du 79 qui réglemente la profession d'avocat n'est pas reconnaître en fait que l'IPA institue Fédération des Barreaux. C'est pour ça que moi toujours dis, en tout cas, m'a profité de mes cours à Romanes et pour me, j'en appelle à la diligence du nouveau ministre de la Justice qui est un avocat, un avocat affirmé même qui fut bâtonné à deux reprises, donc a dit dans plus grosse juridiction que rien qui s'est pas au prince pour le taf aux gens. Et avec le président Fédération des Barreaux pour qui j'ai beaucoup de respect, monsieur Maître Jacques Létang. Que je respecte beaucoup et je crois que qu'ils vous respectent aussi, pour être capable de chiter ensemble, pour nous être dans l'intérêt général de la profession d'avocat, pour prestige profession, pour amender, décret ça que nous toujours amender, qu'il faut amender, parce que si nous pas amender, nous avons toujours une profession qui n'a pas un prestige en profession, en tout cas qui dépourvu de prestige que nous avons besoin de gagner, parce que Fédération des Barreaux à ce jour, nous gagnons juste on croit que tu as gagné une résolution qui créait la Fédération des Barreaux, sauf erreur de ma part, peut-être nous avons trompé, si nous trompé, que je m'excuse, même pas comme trompé. Donc, même décret pas reconnaître la Fédération des Barreaux, parce que l'innécessaire, d'ailleurs, sous une institution qui a connu en profession, il faut le reconnu par la loi. Donc Fédération des Barreaux est en cours en association. Ils juste en association, alors qu'ils ne sont pas associés en association, ils sont associés en institution publique. Mm-hmm. Et donc, je veux dire, je pense que c'est nécessaire d'abord pour nous apprendre à franchir l'étape ça, à l'étape que institutionnaliser la Fédération des Barreaux, hein, la Fédération des Barreaux, c'est la chef au féminin, c'est la chef des avocats. Mais je veux dire, il faut que l'institutionnaliser. Après, je pense que profession, que chaque bâtonnier, si vous y font effort, bah, de Port-au-Prince, moi, avec les grands rigueurs, effectivement, que il y a mis depuis quelques années, depuis sous feu, Montferrier et Dorval, qui étaient vlés, mettaient en pile discipline, fait profession à respecter, empêcher que avocat et parler dans la presse. Et là, moi-même, moi, t'es gagné, peut-être que
y a un désaccord avec ancien bâtonnier Edoval. Il y a raison, effectivement, mais nous avons un léger désaccord sur ça. Bon, pas bâtonnier Edoval, mais avec Barreau de Port-au-Prince. Et récemment, quoi, avec l'affaire de Maître Caleb Jean-Baptiste et Barreau de Port-au-Prince, après la disparition de Maître Edoval, il y a un bâtonnier actuel, je pense que c'était sous Mme Suzy et Legault, qui était venu avec toujours le mécanisme Maître Edoval à l'interdiction de prendre la parole dans les médias. Moi, j'étais toujours un léger accord avec, un léger désaccord, pardon, avec Barreau de Port-au-Prince, mais dans l'ensemble, Barreau de Port-au-Prince a raison, la bataille ça la ferme parce qu'il faut que la profession d'avocat lit beaucoup prendre au sérieux parce que son profession qui appelé à bail, en tout cas, bail exemple, en tout cas, gagner un comportement de bonne conduite pour la société. Et puis, faut qu'avocat reconnaisse tout, que vous êtes acteur judiciaire, vous avez participé dans l'état de droit, parce que nous, on dit qu'on a besoin d'état de droit. Donc, si on a besoin d'état de droit, l'état de droit ne peut pas se réaliser, en tout cas, ne peut pas être effectif sans la contribution des avocats. Mais sinon, il y a des avocats qui ne sont pas bien formés. Et attention, vous me dites ça, Mabdiou, parce que chaque fois que je me parlais, je me sentais que je me dérangeais en pile dans la société. Mais je ne peux pas changer au détriment de l'intérêt général, au détriment de Haïti que je mets en pile là. Parce qu'il faut nous conscients de ça, il faut nous conscients de formation de qualité. Avocats, nous parlons souvent de formation de qualité, nous manquons en pile bagaille, nous, au-delà de discipline, non, mais faut nous gagner qualité. Je pense que ça est très important pour la Fédération des barreaux à réfléchir sur eux, pour barreaux tout réfléchir sur eux, pour l'école du barreau qui est très sérieuse. C'est vrai que Port-au-Prince a fait un effort depuis des années, le barreau de Port-au-Prince est institué en école d'avocats. Avec un peu de respect que je gagne pour Barreau de Port-au-Prince, je ne vais pas prendre ça mal, je ne vais pas entraîner des inimitiés, mais il faut que l'école de Barreau soit beaucoup plus sérieuse. Il faut que Kwade Bouquet fasse un effort pour le moins école tout, parce que l'école de Barreau de Kwade Bouquet a manqué en qualité. Port-au-Prince, c'est vrai que Port-au-Prince fait effort, mais il faut le renforcer qualité formateur. Il faut que la formation beaucoup plus sérieuse. Donc, je pense que c'est un effort qu'il faut faire. Et là, le ministre de Justice a une grande responsabilité parce que le ministre de Justice, ou pas seulement que pour le ministre de Justice, seulement pour des actes judiciaires, mais aussi le ministre de Justice aussi pour des actes, pour des actes juridiques. Donc, les actes juridiques que vous lèvez des avocats, donc ministres en tant que ancien bâtonnier, ils sont avocats qui très qui affirmé les gongos responsabilité pour contribuer dans l'effectivité de l'état de droit. Gay un problème, gay émission spéciale pour me faire souli, c'est des avocats qui en même temps c'est des défenseurs des droits humains. Lors devant ou devant défenseur des droits humains hein, ou grand titre ou grand statut, lors devant avocat sont l'autre bagaille. Sous devant avocat avec les clients devant défenseur des droits humains ou t'as les plaignants, comment est-ce que d'après vous des avocats en même temps c'est des défenseurs des droits humains les a pas agi ou viennent perdu? Est-ce qu'il a pas agi comme avocat? Est-ce qu'il a pas agi comme défenseur des droits humains parce qu'il n'y a pas de même posture dans tous les cas? Que j'en pense que t'as dû faire dans ce sens? Radio Omega. Est-ce que vous avez une question pour moi puis bien s'il te plaît? Des avocats qui c'est en même temps des défenseurs des droits humains dans le cas ça les a pas agi ou pas il ka identifier si c'est défenseur des droits humains qui a agi, ou pas ka identifier si c'est avocat qui a agi. Comment vous pensez qu'on résoudre un problème comme ça? Bon, là, il n'y a aucun texte qui interdit effectivement, il a revenu avec même question se poser, mais c'est une question qui était cruciale, qui était capitale, ou revenu avec même question, il n'y a aucun texte qui interdit cette double fonction si ou cette double mission, pardon, si moi permettez-moi l'expression, c'est que on responsable organisation des droits humains, les grands responsabilités de bonne conduite, il a pour orienter société, il a pour orienter démocratie, pour faire respecter surtout ce qu'on appelle les droits et libertés fondamentaux que moi les libertés publiques. Peut-être que n'a pas les sous ça liberté publique très vaste, etc. Maintenant, en même temps, tout les grands casquettes d'avocat. Et personne n'est sans savoir, Romanès, ça me dit que la profession d'avocat, c'est une profession libérale. C'est ça, n'est pas la liberté de l'avocat. C'est que le principe de liberté, ça veut dire qu'avocat, il y a 5 principes essentiels. Donc, on est déjà, pas besoin de rappeler. Mais parmi tous les principes, ça, c'est qu'avocat, il est indépendant. Donc, on est que indépendant, modestie, etc., humilité. Mais
le principe cardinal, c'est le principe d'indépendance de l'avocat. Ça veut dire que l'avocat est libre pour le prendre dossier. Maintenant qu'on y a, ça va dépendre que bon, l'autre principe qui est essentiel dans la profession d'avocat, c'est ce qu'on appelle le principe de la conscience, en fait, le principe de conscience. Est-ce que l'avocat, ça a qu'on y a, il n'y a pas oublié que l'avocat, ça a qui a une casquette défenseur des droits humains, il a tout pour l'orienter et démocratie, pour le faire respecter les droits humains, etc., pour lutter contre la corruption, la délinquance financière, etc. Maintenant, est-ce que l'avocat a senti lui-même dans la conscience pâle, dénoncé Monsieur X pour telle délinquance financière, ou bien il a dénoncé une bande criminelle, par exemple, que les messieurs de vivre ensemble, et puis demain, si c'est même Monsieur Vivre Ensemble qui a arrêté, qui offre $1 million américain, qui dit écoutez, Monsieur Maître Manès Samedi, moi, t'as rien que pour assurer défense. Maintenant, pour moi que en tout cas c'est personnellement que m'a dit il pas fait avocat pas crédible pour ça, mais pour moi que un problème de conscience, en fait. Pour moi, c'est que m'a pas dénoncé moi dit que monsieur Vivant Sambio des bandes criminelles, des criminels qui a fait en tout cas des présumés criminels qui a fait des actions qui en tout cas qui pas fait honneur société, hein, qui a violé le monde, qui a tué le monde. Demain, c'est moi qui vais paraître comme avocat, je vais dénoncer, c'est moi qui vais paraître comme avocat, mal défendre. Pas un conflit d'intérêt, mais un problème de moralité. Et si je voulais aller plus loin, moi quand même dit qu'on a un problème de crédibilité, tout parce que il y a un mal qui est très important dans la profession d'avocat, moi, ouais, que peut-être que nous négligeons en Haïti, et n'en déplaise aux avocats infirmés, aux avocats très affirmés, et c'est pas plaisir que je ne connais que des avocats qui très respecté ça, mais un problème de combat qui est la crédibilité de l'avocat. Mm-hmm. Et crédibilité de l'avocat, c'est que si je vais être devant un juge, il faut juger qui a fait confiance dans sa mamie là, en fait. Il faut juger qui a fait confiance à sa mamie là. D'ailleurs, que pour emporter la conviction du juge, c'est avec des arguments, c'est avec une analyse juridique moins faible. Mais l'homme dit juge là, écoutez, monsieur Romanès, samedi, il a exprimé ses regrets d'avoir commis telle infraction, il était dans une situation difficile, c'est parce que il était en enfance difficile, etc. Il faut juger qui croit dans sa mamie là, en fait. C'est la crédibilité de l'avocat. Si par exemple que nous connaissons que c'est très difficile, peut-être que nous parlons sur ça après, la question de mesures alternatives à l'emprisonnement, moi je dis juge là, écoutez, client, il me garantit que les papes marron, voilà, etc. Donc c'est la crédibilité de l'avocat, il faut juge là qui a fait confiance dans sa mesure là. Maintenant, si le client a fait marron, tout faut me gagner courage, moi le juge là, me dit là, écoutez, je me suis trompé, etc. Donc, mais ça, client fait, et moi-même, faut me dire, écoutez, moi, bye, client, ça, on l'aide de fin de mission. Parce que si moi-même, je prends pas le client, au mot, malgré le juge, moi, dis, j'ai un bon moyen, de m'élever pour lui, en liberté provisoire, c'est que je prends un engagement pour ça. Et si je prends un engagement, faut me respecter. Si je me respecter, il faut mal le juge, on me dit, écoutez, magistrat, je suis désolé parce que je me suis trompé de la personnalité de mon client, lui sauver une baguette nouvelle, ou bien il va de revenir encore. Donc, moi-même, que je donne, me font requête, moi montrer que moi on l'aide de fin de mission pour client ça. Donc ça fait partie de ça, va le montrer jugeant comme crédible. Maintenant, c'est dans le même sens, sa question là et tout, c'est que si ça c'est point de vue personnel, pas si moi avocat, quand on a dénoncé un monde pour un fait délictueux, soit peut-être qu'on délinquance financière ou bien un crime que l'y fait, de bien s'y moi-même, moi trouver que maintenant très mauvaise position moi-même que vous mal défendre comme ça, c'est peut-être ça moi une position personnelle pas, mais ça va me dire que l'autre avocat qui fait lui c'est parce qu'il y a un problème que de crédibilité de moralité, mais moi-même que le j'aime sur Julien par grand interdiction pour mon n'a pas assuré défense sur monde que le tape dénoncé, mais en même temps tout parce que gagner les principes essentiels de la profession d'avocat qui dirige la profession, hein, donc parce que lui essentiellement en tout cas lui très important que vous nous respectez le bon cas esprit et confiance à Jujo et pour inspirer confiance à la population. Parce que vous parlez d'un problème de conscience et avocat. Maintenant, de tête, est-ce que je dois dire éthique? L'aime considérer que un avocat, l'aile devant avocat, mon nom,
c'est client, mais là, devant défenseur des droits humains, c'est plaignant. Devant avocat, n'a besoin les frais du dossier, n'a besoin honoraire, alors que droits humains, droit moun nan pa gen l'argent, ça yo pour l'al prendre. Maintenant, si la page, la demande de frais, la demande de honoraire, la demande de bagay, donc c'est pas droits humains qui a pas dit, là, c'est avocat. Comment est-ce que moun sa ka vendre moins que lycée défenseur droits humains, la travail pour moins? Un problème d'éthique ou dit conscience là, on est d'accord. Éthique tout d'après où? Mais l'éthique c'est corollaire de la discipline de l'avocat. L'éthique l'englobe moralité de l'avocat, l'englobe la conscience de l'avocat dans l'exercice de la profession bien sûr, l'englobe indépendance avocat, c'est ça et l'éthique. Moi ce que j'ai appris et ça en tout l'autre avocat en Haïti connaît tout que connaît mieux passé et son profession exercice est très difficile et au manège samedi. Très difficile, très délicat. Je ne sais pas pour qui ça. Par exemple, par exemple un petit peu vulgaire avant, on est avocat, il y a apprendre moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a appris en France, en fait, dans la profession d'avocat. On est avocat même dans sa vie personnelle. Donc, c'est un choix. L'autre choix pour faire, pour exercer cette profession, ça, c'est que ou gampile bagaille que ou obligé que ou nier en tout cas. Parce que ou pas avocat seulement dans la vie professionnelle, mais on reste avocat même dans la vie personnelle. Mal pour exemple, un petit peu banal avant, pour qui ça a dû consacrer qu'un avocat, par exemple, que il est interdit pour un élève avocat, il fait stage, même pour venir en cours, en fait, pour venir dans exercice droit fondamental, pour venir. Il n'y a pas mandat pour costumer, mais il y a une tenue que pour gagner. Donc la tenue était très importante. Ou pas dans le supermarché, donc obligé qu'on tête baisse souple, il faut qu'on tête baisse dans la machine. Donc on reste avocat. Par exemple, que l'on a la rue, il y a un bagage. Il faut pas être conforme, il y a des gens qui vont d'accord. Il faut pas être conforme, il y a. Allô? Allô? Attends, si tu peux dire maintenant, non? Mais tout là? Allô? Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais faire appel là. Je vais souhaiter perdre mettre Blaise, puisque nous avons gardé avec lui là. Parce que vrai sujet, beaucoup entré là-dedans. Il y a un code pénal, nous allons aller. Projet code pénal, projet code de procédure pénale. Et avec le mbalé là, m'espère que M. Blaise va disponible pour au moins garder Mbakon dans sa communication à Bom là. M'espère mieux de là. M. Blaise, vous là? Oui, m'dabdou baye cette question de tête baisse côte au bras là, je baye conformiste. Il y a des gens qui ne sont pas même d'accord. Il y a des gens qui ont envie même plaider à un bel petit chemise ou à un bel souyo. Oui, en fait, c'est ça que moi je dis là. C'est pas un principe sacramentel, mais profession tellement son profession qui est compliquée en termes d'exercice, c'est que gain série même en termes de protocole ou qu'on bagage que pour kembe. Donc si en termes de protocole ou gain bagage que pour kembe, pas besoin d'eau en termes de discipline. Donc c'est pour te dire que ou pas seulement avocat l'on exerce profession devant tribunal ou avocat même dans sa vie personnel. Donc, pour moi, pour la question là, donc, yon avocat li nettement indépendant, oui, pour l'assurer défense n'importe monde. C'est pour ça que l'homme songe que sauf erreur de ma part, il y a un ancien bâtonnier Stanley Gaston qui était venu avec yon circulaire, bah, qu'on est son note, bah, au Port-au-Prince qui était sorti, et puis qui était dit consacré, yon choisi avocat pour monde qui était en garde à vue, yon choisi avocat pour monde. Maintenant, c'est moi, j'étais opposé avec un autre ça. Pour qui ça? C'est pas parce que moi, j'étais voulu embêter et ancien bâtonnier Stanley Gaston, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est très compétent, c'est un avocat. C'est mon aîné, c'est un avocat filmé, mais moi, bon bagage qui est important que. Parce que si me dit, moi, choisi faire avocat, si me dit, moi, choisi et remet Haïti, donc, il y a bagage que je pense que moi, là, que pour m'orienter société, pour contribuer à l'effectivité profession. Maintenant, le métier d'avocat, il y a deux principes qui marchent ensemble. Il y a la liberté de l'exercice de la profession d'avocat, mais il y a la liberté du choix de l'avocat aussi, du client. Maintenant, ça peut être opposé à ça. Ou pas qu'à, pendant un client, il y a un garde à vue, et puis qu'on y a pour dire consacré, ou tout choisir un avocat pour dire c'est avocat ça, ou bali. Non. Ou qu'à, effectivement, qu'à bon avocat qui désigne commis d'office, etc. Mais avocat, il y a un choix que peut choisir le client par là. Donc, c'est le cas balil que le dit, le refuse. Mais c'est même gentil. Avocat, tout, pas qu'à imposer, vous dites, écoutez, mettez le dossier pour le traiter, mettez le dossier pour le pas traiter. En revanche,
li pa choisi dossier pour traiter effectivement pas imposer le dossier pour traiter mais li gon devoir de moralité li gon devoir de conscience parce que c'est moi-même cap critiquer qui dit criminel yo casé paysan yo boule tribunal par exemple avoir des monsieur bon et ensemble yo qui boule tribunal qui boule commissariat qui m'a dénoncé ça et puis demain c'est moi pas assurer défenseur pour qui ça parce que l'offre un million ou bien 2 millions de dollars américains moi me trouver ça que un problème de conscience peut poser me trouver un problème de moralité s'ouvrir un problème d'éthique que poser pour me résumer à se dire en tout cas point de vue personnel pas moi-même que me pas faire ça c'est point de vue personnel pas mais pas une interdiction mais c'est concilier pour concilier c'est concilier de éthique ça au dire dans l'exercice de la profession d'avocat et concilier tout bonne conduite que un défenseur doit assumer que lui-même il est là pour être capable d'orienter sur la société. Nouveau code projet ou bien nouveau projet code pénal et code de procédure pénale où les documents yo doit li doit gen rapport à réalité coutume mes nous le droit ne dispose que pour l'avenir lors li code pénal la code de procédure pénale la qui sort ouais qui n'en doit haïtien qui changer ou bien dans ça gen dans code nous gen déjà ou qui changer qui ka fait impact sous nous et qui sort ouais tout nous ka avancer son penser en fait de documents ça Radio Omega. Écoutez, nous avons une chance pour nous travailler avec parce que nous avons déjà on rappelle d'historicité, nous avons depuis 2008, depuis sous président Préval, il était institué plusieurs commissions. Donc, commission, ça a été doublé tout par des commissions ministérielles parce que tu as plusieurs commissions. Je me rappelle Jean-Joseph Exumé, ministre Jean-Joseph Exumé, qui était constituant en commission tout. Tu as gagné Martelly qui vient de venir, président Martelly qui vient de venir, qui était succédé avec, tu as une commission PAL qui était succédé avec par Exumé, par Préval. Donc, c'est que tu as multiple de succession de commission qui était instituée depuis 2008. Donc, de 2008 à 2024, ça fait 16 ans. 16 ans, c'est regrettable que jusqu'à présent, que nous n'avons pas gagné en réflexion, en tout cas, il y a une réflexion qui est produite, et effectivement, sous question de modernisation du système judiciaire, là, notamment sous réforme code pénal, là, en tout cas, sous nouveau code pénal, là, avec un avènement de un code de procédure pénale. Mais c'est bien dommage que jusqu'à présent, nous en débattons toujours, que nous n'avons pas de code qui était publié, de code qui était publié. Est-ce que il est important que, tu as lu un temps d'émission, là, avec attention, tu as suivi avec attention, tu as dit, est-ce que il est important que nous avons institué, en tout cas, et instaurer yon institué un autre code pénal, un nouveau code pénal ou bien venir avec un code de procédure pénale. Et pour moi oui, parce que j'ai chance pour qui ça, j'ai chance pour travailler sous code pénal, nouveau code pénal là, parce que code là, il était en texte initial haïtien, c'est-à-dire que la commission Mzodilayo qui était rédigé en texte, et texte là, il était soumettre avec le ministère français de la justice, parce que c'est pas un mauvais bagage parce qu'il y a une coopération de justice qui existait en matière de justice qui existait entre Haïti et la France. C'est tout à fait normal que Yoka voye le bail série d'experts dans l'autre pays pour être capable d'exercer son droit de regard, c'est-à-dire que font relecture pour eux. Et ça n'a pas fait seulement en Haïti, mais après appeler ça pour auditeurs et auditrices et au Manès. Et que code pénal, par exemple, que la justice pénale même de la République dominicaine l'y institué à l'inspiration de l'y emprunté de droit français. C'est des experts français qui travaillent sous code pénal dominicain, c'est des experts français, Mkabonon, par exemple Jean Pradel, c'est lui-même qui est à l'initiative du code pénal dominicain, donc l'ancien célèbre juge d'instruction. Et code de procédure pénale là, c'est un expert qu'on a à l'université côté me fait études moyennes, c'est là, c'est Pierre Ponce là, gagne l'autre pays encore en Amérique, dans Caraïbes là, en Amérique latine, non, c'est la France qui inspire, en tout cas, ils ont inspiré de justice française là, même le que eux-mêmes ils ont adapté réalité par rapport à ce diable, mais quand même que il n'est pas un problème que pour gagner des experts étrangers qui font une lecture pour. Donc c'est pas un problème. On va regarder pour un code pénal haïtien. Hein? Dans rapport à, peut-être que Mkafou il pour souffler, dans rapport à son rapport de qui gagne 107 pages, et on voit que il y a cité tout code pénal, eux-mêmes, il y a été gardé, il y a été fuité, et code pénal dans le pays qui n'a qu'à aller blanc, eux-mêmes, il y a travaillé sur lui. Il est très important. Pour qui ça? Et il y a une bonne justice pénale qui est très désuète. Qui est très désuète parce que pour qui ça?
et en justice pénale qui n'est pas efficace parce que au gagné par exemple qui toujours fait la une en Haïti, c'est l'exemple de la détention provisoire. Bon, nous avons un problème que dans le texte là, moi parler de l'inantesse doctorat maintenant, et au bon texte qui est employé à la fois détention provisoire et détention préventive. Donc son gros problème technique, c'est que c'est des juges qui ont fait technique, vraiment des juges qui voulaient à décider de façon objective, et au cas saisi où on juge que la guerre au monde, juste peut-être on tire en virgule qu'on mal placé, ou bien on est ou mal metté, ou bien on antique que ou mal placé. Parce qu'on pas qu'à dire parce que détention provisoire et détention préventive s'opposent, c'est deux bagages qui sont opposés. Est-ce qu'on choisit pour dire qu'il y a détention préventive, est-ce qu'on choisit pour dire qu'il y a détention provisoire? Bon, on va permettre moi de dire pour me rappeler ça encore, mais toujours un problème et ça me tient à cœur que les acteurs judiciaires ont parlé. On peut comprendre ça naïf, yo, des profanes, ils vont employer thème de détention préventive prolongée, mais et moi-même, moi, toujours après rappeler ça, je pense que ce sont erreurs qu'il faut nous corriger dans le langage, tout, dans le langage, dans le jargon juridique, non, et qu'on a pu parler de détention préventive prolongée. Ça n'existe pas, ce vocabulaire, cette expression, ce vocabulaire juridique n'existe pas dans le droit haïtien parce que loi sous appel pénal là, loi 79 sous appel pénal là, ne dit pas parler de question de détention préventive prolongée, dit juste parler de détention préventive, mais pas gagner prolongée parce que pas gagner. En détention qui vous dit la durée de 2 ans, 3 ans. Donc ça, ouais, c'est un gros problème parce que on dit que est-ce que l'important, oui, il est important parce que nous avons un texte qui dit moi qu'à mettre un monde en prison en placement en détention provisoire, mettez le en prison, même pas dit combien de temps que le cas fait. Combien de temps le cas fait que dans prison, parce que pas oublier que mon nom, vous mettez le en prison, ils sont présumés innocents, on va pas mettre le en prison. Si la loi dit dans 48 heures de juge naturel. Yes. Gede moun ki di la loi dit dans 48 heures moun nan supposé passer devant juge naturel. Une fois que 48 heures a passé, on considère non détention préventive prolongée. Ce qui n'est pas vrai, là encore moi développé et n'est pas parce que moi puis connais en fait et c'est ça moi voulais que confrère ici au connaît. Et c'est pas parce que m'a dirigé m'en mettre, mais c'est parce que moi gont travail technique, gont travail de réflexion que fait que moi voulais orienter société à moi voulais utile justice là en fait. On pas présenter moi comme monde qui puis connaît, c'est moi qui puis fort etc. Non, c'est pas ça du tout. Moi prend temps pour travail technique et travail technique ça me souhaite qu'il est utile à société, à me voulais contribuer. La question de 48 heures moi-même que moi développé dans travail de recherche doctorale, moi expliqué te gen Wando Saint-Villier, effectivement moi cité le nan tes ans qui était évoqué avec le nouveliste qui était évoqué en arrêt de la Cour de cassation, mais qui l'arrêt de la Cour de cassation ça est-ce qu'elle publié? Non, Wando Saint-Villier n'est pas même en mesure pour te bail et date arrêt pour te dire qui arrêt que lire pour qui ça parce que arrêt pas publié, mais il dit juste songer qu'on arrêt de la Cour de cassation qui était parlé de gon pratique en fait que la question de 48 heures, c'est la développée dans la question de flagrant délit, c'est une question de pratique judiciaire. La pratique judiciaire voulait qu'il est d'usage que le commissaire à l'arrêt au monde dit écoutez, et peut-être que sur l'influence des défenseurs des droits humains, nous avons maintenant distinct à fond de travail dans la société, nous avons bien expérience avec RNDDH, Madame Ozi, donc en pilote, nous avons en pilote au droit. Il y a Camille, au CNA, il y a GD, il y a cadre, il y a pilote. Effectivement, il y a un Gédéon Gampil qui a fait des travaux d'influence qui est très bon par rapport avec le travail d'influence. Alors, peut-être qu'il a influencé, il a dit écoutez, on ne commence pas à arrêter un monde, c'est arbitre judiciaire pour arrêter un monde pour qu'un bill pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc, influence, défense des droits humains, ça a eu Gédéon Jean Lot, etc. Eko. Maintenant, il fait que il y a une pratique qui vient développer, il a commencé à arrêter un monde, il a déféré le cabinet d'instruction. Mais il n'y a pas une légalité, en fait, que du transfert de la personne arrêtée par le commissaire du gouvernement donc, au cabinet d'instruction. Donc, c'est la pratique. Maintenant, est-ce que la loi, est-ce que un texte normatif qui est institué, non pas les textes qui est institué maintenant. Ou gagne effectivement que le cadre de code d'instruction criminelle, dans l'article Sophie Wedouba-Pam, c'est article 13 là, article 12, article 13, depuis dans l'article 8 jusqu'à article 13 dans le code d'instruction criminelle là, ou vient de bombarder un texte associé, même quoi que c'est ça, qui dit que l'offinarité ou individu, le juge de paix, il gagne un délai de 72 heures pour faut le transférer, en fait, il gagne un délai de 72 heures pour le transférer devant et juge de paix, ou bien juge de paix pour le transférer devant le commissaire du gouvernement. Là encore, que moi développé un thème qui est, en tout cas, une contradiction qui existait entre deux textes-là, ou bien que, effectivement, la Constitution, pour qui ça, il me dit que la pratique. Pas oublier que la Constitution, elle dit comme ça que, ou bien 48 heures, effectivement, pour déférer devant un juge. Donc, c'est pas même bagaille. 48 heures, il n'est pas dit pour vous devant le cabinet d'instruction, ou pour vous devant un juge. Qui juge, il dit? Il n'est pas dit qui juge tout d'ailleurs.
il pas dit que juge, il dit qui juge, il dit où il devant juge. Alors que l'arrêt au monde ou pas qu'avoir devant juge en fait, parce que la personne qui est habilitée à apprécier la légalité de qui l'a pour poursuivre au monde, Léon policier arrête au monde, c'est pas dans le cabinet d'instruction pour le voir en fait, c'est devant le commissaire du gouvernement pour le voir. Donc texte a un bon problème, même texte constitutionnel a un gros problème. Et m'était proposé tout pour nous capables d'amender et texte ça, comme quoi c'est l'article 25 de la constitution qui dit l'arrêt au monde pour le faire après arrestation pour déférer devant le juge devant un juge. Alors que l'on policier arrête l'officier, l'OPJ arrête un individu qui fait une infraction, n'est pas avoué devant un juge en fait, mais avoué devant le commissaire du gouvernement, parce que l'autorité de poursuite, c'est le commissaire du gouvernement. C'est le commissaire du gouvernement qui va le connaître. Est-ce que Mounsa, effectivement, que l'infraction a décidé, il constitue. C'est le commissaire du gouvernement qui va le dire, bon, infraction n'est pas constituée, que moi-même, que Mlague Mounsa, on procède à une mise en liberté de Mounsa. C'est le commissaire du gouvernement qui a habilité pour dire, écoutez, l'infraction est constituée au regard de l'article 13. Du code d'instruction criminelle. Donc maintenant, moi, je vais vous donner dans le cabinet d'instruction, ou bien que moi, fais le comparer devant le tribunal devant le tribunal correctionnel. Donc tout ça, c'est des problèmes qui gagnaient entre constitution et code d'instruction criminelle là, qui nous dit là encore, constitution dit 24 heures, effectivement. Mais il dit qu'on ne dit pas parler de questions de détention, en fait. Et qu'est-ce qu'on considère par les détentions? Le délai de 48 heures, il concernait seulement ces déférements de la personne arrêtée. C'est qu'en matière de infraction, ou arrêter mon nom, ou déférer. Maintenant, déjà, que texte a un gros problème, parce qu'il dit ou déférer devant un juge, alors que l'arrêté un individu, nous autres, tout à l'heure, on ne peut pas déférer devant un juge, on peut déférer devant le commissaire gouvernement qui pourra apprécier l'égalité ou bien constitution de l'infraction et sur l'infraction qu'on constitue. En même temps, je crois que c'est l'article 12 du code d'instruction criminelle qui dit il parlait d'un délai de 72 heures. Maintenant que moi développé en réflexion qui est contradictoire, moi dis qu'on contradiction entre pas grand harmonisation de justice pénale là, donc article 25 constitution dit on bagaille et disposition code d'instruction criminelle que le dit on bagaille. Donc tout ça, c'est de bagaille pour nous harmoniser, pour nous uniformiser justice pénale là. Donc tout ça, l'immandé des travaux de réflexion que acteurs et de experts haïtiens ont fait, sont très bon travail. Mais son travail qui fait quand même qu'avec un pile erreur, parce que moi-même, j'ai travaillé dans la commission ça en 2014, expert français, que le ministère de l'Homme tout à l'heure, le ministère français de la Justice, t'es constitué en commission d'experts, et j'ai eu la chance quand même, parce que c'était expert nantaire avec l'autre expert, l'autre professeur d'université encore, et puis t'es expert qui t'es relève, qui demandait, mais est-ce que je suis capable avis, consultation, t'es pour consultation, moi t'es fait un bon temps de travail avec eux, pendant que t'es à Paris, t'es travaillé sous texte à grand pile, ouais, parce que nous avons un texte initial qui texte haïtien ou yo imité droit français, mais yo mal imité en fait, texte à grand pile problème, texte à pas mal imité la séoune, mais par rapport avec réalité yo pratique du droit. C'est oui, c'est en fait que c'est beaucoup plus que ça, et c'est pour ça que même expert ou t'es besoin avim par exemple que la majorité pénale à qui l'âge que n'kafel et que nous ka arrêté sur majorité pénale là, mais le problème là est beaucoup plus profond que ça en fait. Le problème là, c'est parce que par exemple, pour exemple, avant m'avoir exemple, nous gain peine là qui pas bien définie, peine mal définie, peine complémentaire yo confondre dans texte initial là, yo confondre expert haïtien yo confondre, mais c'est à juste titre que c'est. Oui, ouais, c'est son texte, c'est normal, il est humain. Je ne vais pas pour ça déranger ou pour ça m'a dit, mais je pense que c'est aider que m'a aidé, c'est contribuer, que m'a contribué. Je confonds texte et peine complémentaire avec peine principale. Donc, il y a un paquet qui fait dans le texte là. Maintenant, c'est des bagages qui sont arrivés. C'est peut-être ça que moi-même, moi, j'étais toujours pour, moi, j'étais opposé, et en tout cas, moi, j'étais opposé avec applicabilité, en tout cas, entrer en vigueur texte ça, parce que c'est même texte ça que, initial là, que nous-mêmes, nous prenons. Qui noté par Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse, défunt, qui était publié texte à tout et ça. Parce que son texte qui est assez important, son texte qui inspire effectivement, mais qui m'a demandé un pile travail de correction là-dedans, parce que les grands piliers techniques et les guerriers techniques, ça va me garantir, c'est deux bagages. Soit nous avons une justice pénale qui n'est pas efficace, et puis nous allons gagner des comportements jugés, nous allons gagner un arbitre judiciaire, nous allons gagner un droit fondamental, liberté publique qui n'est pas respecté, et là, nous allons gagner un anarchie judiciaire, ce que moi-même, je me suis souhaité qu'il n'y ait pas gagné dans le système judiciaire. Non. La question de placement détention, ça a supprimé, il y aurait les longs lots de gens dans le document.
Non, il est toujours lié. En fait, que là, Texas, en fait, que l'on en question de détention, moi, même pas de travail sous Texas avec expert français, c'était Jean Pradel, l'ancien juge d'instruction, Jean Pradel, qui était responsable de code de procédure pénale. Là, laissant on a code de procédure pénale. Mais moi-même, j'étais en échange avec la présidente de la commission de la commission ministérielle française, qui était fait me parler avec, en tout cas, noté ouais, à Jean Pradel, qui t'a expliqué, mais effectivement, sous code de procédure pénale là. Et le placement en détention provisoire, oui, il est toujours les déplacements en détention provisoire. Maintenant qu'on y a, c'est l'autorité qui pour procéder à placement en détention provisoire là, c'est lui-même qui a changé. Par rapport à oublier qu'à l'heure actuelle, nous avons un juge d'instruction, c'est lui-même qui a placé au monde en détention provisoire. Mm-hmm. C'est juge d'instruction. C'est peut-être ça que m'a profité fait l'autre par parenthèse et au malaise dans le sens que pour m'aider, pas dans le sens que m'embêter aucun monde en fait. J'ai l'impression que, en tout cas, moi, il y a un monde qui a l'impression chaque fois que m'a parlé, chaque fois m'écrit, chaque fois que j'ai envie d'aider, j'ai envie de contribuer pour payer, je pense que c'est possible que m'envie prendre, soit m'envie pour ministre, soit m'envie pour poser que général. Parce que c'est pas ça l'envie en fait. L'envie, c'est que l'idée, c'est parce que j'aime Haïti, j'adore le droit, j'adore la justice, j'adore aussi ce qu'on appelle l'équilibre parce que c'est peut-être ça me fait rechercher, me font travail que qui ont travail d'équilibre en fait, d'équilibre en matière et judiciaire par exemple. Comme je disais que m'étais dénoncé arrestation à Robinson Pierre-Luyan, le secrétaire, l'ancien secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, je t'ai arrêté. Maintenant, réflexion que m'étais fait, m'étais pas entré dans le cadre de subjectivité, infraction, s'il constitue ou pas. Moi, m'étais arrêté dans le cadre d'objectivité. Hein. Moi-même, que dans la place avocat Robinson Pierre-Luyan, au lieu que pour aller sous terrain de l'égalité, est-ce que arrestation, il dit, arrestation Robinson Pierre-Luyan qui était possédé à l'initiative de la DCPJ, il estimait que l'est illégal. Pour moi, que l'est pas illégal, en fait. Peu importe que avocat pour pression qui est problème avec pour ça, donc je suis désolé, je suis juriste, donc je dois rester un juriste crédible, je ne suis pas obligé de dire au manail pour me faire plaisir, même là que mon cas toujours compati effectivement à Robinson Pierre-Luyan, pour moi-même que les doyens ont estimé que l'est pas qu'à prononcer le sous dossier Robinson Pierre-Luyan, je ne pas prononcer le sous ça, mais devant la cour d'appel, m'estimer que oui, bien sûr que la cour d'appel avait raison. Parce que soit les sous-questions, c'est pour une question, soit les sous-questions de l'égalité arrestation. Mais dès lors que les DCPJ finalité, maintenant c'est OPJ, le parquet voue le cabinet d'instruction. Donc, le parquet estime que l'infraction est constituée au regard de l'article 13 du code d'instruction criminelle, il voue devant un cabinet d'instruction. Le cabinet d'instruction lui-même, il fait instruction, il n'est pas même levé pour lui. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle la purge du juge d'instruction, en fait. Maintenant, soit devant la cour d'appel, ou pas amender cour d'appel qu'on y a pour dire, écoutez, moi, estime que l'arrestation est illégale. Mais cour d'appel, pas rien pour le voir ça, parce que le dossier devant le juge d'instruction, maintenant, s'il est illégal, on fait l'autre bagaille qu'on y a. Parce que le juge d'instruction lui-même, il est là pour dire, écoutez, l'arrestation, ça est illégal. Moi, je dis, écoutez, que je blague mon nom. Mais dès lors que j'ai instruction, il prend mon nom, qui finit arrêté par DCPJ, il passe par transit du parquet, parquet vaut le bali, j'ai instruction, il a un devoir pour blaguer mon nom. Donc, en pas de voir, les gains obligés, en fait, les gains possibles pour la guémoune, c'est d'estimer que l'arrestation est illégale. Mais si je suis instruction par la guémoune, donc ça veut dire que je suis confirmé l'arrestation. Donc, s'il confirme l'arrestation, c'est ce qu'on appelle la purge du juge d'instruction. Mais c'est bien plus du juge d'instruction, mes amis. Ou par exemple, devant coup d'appel, vous dites coup d'appel, mando pour la guémoune sur la base de l'illégalité de l'arrestation. C'est peut-être ça que je estime que vous êtes fort. Ouais. Alors, ce que tu as une possibilité pour moi-même pour être la guémoune, c'est bien lui. La possibilité, c'est mon cas répondre à une question, là, me répondre pas en fait qui concret. La possibilité, c'était juste de dire qu'on s'est écouté, il a arrêté ou Benson Pierre-Luy, il ouvre le parquet, et c'est le parquet qui mettait en détention provisoire. Alors que l'éclair, article 81, l'éclair sous ça, commissaire gouvernement n'est pas qu'à placer un monde en détention provisoire, donc la détention provisoire relève de l'autorité, en tout cas, doit être décidée à l'initiative du juge d'instruction. C'est seulement le juge d'instruction qui a mis un monde en détention provisoire. Effectivement, nous gagnons en disposition dans le code d'instruction criminelle qui dit commissaire gouvernement n'est qu'à placer un monde en détention provisoire, mais ce n'est pas dans le cas ça. Il dit qu'à placer un monde en détention provisoire, c'est question de, c'est par exemple, que c'est en matière correctionnelle pour question de comparution immédiate. Maintenant, nous parlons de action criminelle, nous parlons d'action devant le tribunal correctionnel, nous avons action qui est devant le juge d'instruction, nous avons action criminelle que reproche au monde. Le commissaire gouvernement n'a pas aucun droit pour placer nous en détention provisoire. Donc, le commissaire gouvernement a un seul bagage que le café, il estime que l'infraction constituée de sur le plan, sous plan criminel, eh bien, il faut être dans le cabinet d'instruction. Maintenant, c'est peut-être ça que je me dis que Robinson Pierre-Luyan était à la gueule et puis il était allemand.
mandé et arrestation mis en fait pardon remise en liberté sous fondement de illégalité de placement en détention provisoire parce que qui pas relevé d'autorité de magistrats du parquet. Donc c'est peut-être ça que nous sommes là pour répondre à la question là, non? Le placement en détention provisoire, effectivement, que yo changé l'autorité qui a possédé avec le code de procédure pénale, yo ba on l'autre juge qui est juge de la liberté, juge des libertés et de la détention. Problème romanès. Qui est-ce qui a juge ça? Qui est-ce qui a juge ça? Juge ça, il y a un problème parce que le GLD et en France, c'est un juge d'instruction, un juge de siège, le plus souvent c'est un juge d'instruction qui tourne en juridiction. Par exemple, au Prince, il gagne 10 juges d'instruction, c'est doyen qui va le décider et doyen tribunal là qui va le dire écoutez, je ne sais pas comment il va organiser, mais qui va le décider. Tel, il prend 3 juges qui jouent le rôle ou bien 2 juges qui jouent le rôle, juge de liberté et de la détention. Donc, c'est même, par exemple, le bon juge de siège en Haïti qui est le lycée juge de siège et puis lycée juge d'instruction à la fois. Mais c'est même j'entends pas le bon juge d'instruction qui a toujours le rôle de GLDA. Maintenant, le problème qui vient de gagner, vous venez gagner en détention provisoire aujourd'hui, et c'est ça le problème, et je pense que c'est plus émission là ça. Vous gagnez un placement en détention provisoire, qui est-ce qui a décidé de mettre un monde aujourd'hui, il gagne M. Joseph qui fait une infraction. Bon, qui me prend un exemple qui est un peu banal. Jodi, en gros, infraction qui fait parce que, gros manifestation qui fait dans la rue, contre le gouvernement Konyan, contre CP, etc., peu importe, et puis il arrête tout le monde. On dit le 24, ou bien le 25. Maintenant, il arrête Joseph. Maintenant, Konyan, déjà, le monde qui a arrêté Joseph, là, il passe aux élus commissaires du gouvernement. Parce que, pas oublier, nos bons textes, Konyan, code pénal, là, il y aurait les commissaires du gouvernement, il y aurait les commissaires du gouvernement encore, il y aurait les. Il y aurait le procureur de la République. Maintenant, qu'on y a un procureur, donc maintenant, est-ce que le commissaire, ça, je veux dire, commissaire pour le président qui c'est Edley Guillaume, lirait le commissaire, il y aurait le, donc, dénomination de ces commissaires du gouvernement, alors qu'à partir de 25 juin, il paraît les commissaires du gouvernement, quoi, il y a le procureur de la République. Maintenant, si mon avocat, et puis commissaire Edley Guillaume arrêté Joseph, et puis qu'on y a limité dans l'inquisitoire d'informer là, que limité carrément le commissaire du gouvernement et Edley Guillaume. Automatiquement, forme jeune est mise en ligne. Mettez de l'aide au gouvernement encore. Il y a un texte qui ballon l'autre dénomination qui dit que procureur de la République. Donc, réquisitoire que la prédigeur, il faut le mettre, monsieur le procureur de la République. Deuxièmement, l'arrivée devant doyen, il faut le dossier dans le cabinet d'instruction. Pas de problème, le dossier devant juge d'instruction. Maintenant, pour qui est juge d'instruction, ça, qui en dit, c'est juge Chavannes. Et c'est juge Martel. Le dossier arrivé devant juge Martel ou bien juge Morin, eh bien, Morin a fouti. Pardon? Ah, dans les mettre. Oui, maintenant, juge Morin pas foutu dossier arrivé devant. Donc, il pas foutu prendre initiative pour mettre M. Joseph en détention parce que il n'a pas gain pouvoir ça encore parce que texan retiré pouvoir ça n'amène. Code de procédure pénale là, il dit c'est pas juge d'instruction qui a mettre mon en détention provisoire, c'est juge de liberté et de la détention. Mais code juge ça. Non pas gain. Maintenant qu'on y a, est-ce que doyen pral dit peut-être pas le doyen Bernard Saint-Ville pral dit écoutez bon tout désigné le fait que juge instruction pas mettre mon en détention provisoire encore maintenant son juge de liberté de la détention mais Morin ou tout bon rôle juge de détention et juge de liberté et de la détention Martel tout bon rôle jouer rôle juge de liberté et de la détention n'est pas possible parce que juge ça il pas créer peut-être pas c'est pas doyen qui pral créer pas bon loi faut bon loi qui instituer qui dit écoutez juge ça les juge de liberté et de la détention à ce jour donc nous pas le parlement. On parle du Parlement qui pour voter en loi, qui dit comme ça que yo voter en loi, qui dit yo reconnaître yo, la légalité de l'institution, de la création du juge des libertés et de la détention. Donc, gros problème. La dénomination du commissaire du gouvernement l'a changé, nous avons loi que créer. Donc, tout ça, c'est des problèmes pensés que pour nous taouer avant pour nous appliquer le texte. Mais maintenant, néanmoins que. Oui, mais date la pape campée, non? Date la pape campée, non, mais. Date la pape campée, 24 juin, date la pape campée. Bon, oui, 24 juin que l'IPAP campé, maintenant qui ça en a fait, mais je pense que moi-même que honnêtement, je pense que le gouvernement du docteur Kony et le CP, il y a assez de ressources, de compétences juridiques pour ça, qui peuvent réfléchir sur ça pour connaître qui ça a fait. Parce que au niveau de CP a grand pile compétences juridiques, au niveau du gouvernement grand pile compétences juridiques, nous avons mis de la justice qui est très compétente, donc je pense qu'il faut réfléchir sur ça pour connaître ça a fait, mais à ce jour, que grand problème d'application, d'applicabilité de texte. Maintenant, sur nécessité de texte, oui, nous méritons.
code pénal, parce qu'il faut un autre code pénal. Nous avons un code pénal, par exemple, avant encore, où tu dis, mais est-ce qu'il est nécessaire? Oui, il est nécessaire. Nous avons un code pénal, Romanes et samedi, jusqu'à présent, nous avons un code, plus de 2 siècles, qui pour jamais qu'a défini sans relais que viol. Donc, et nous, l'autre monde, alors que, par exemple, nous avons un bon exemple. En Europe, nous avons un gros débat. Un gros débat en Europe, dernièrement que j'ai assisté à un événement animé par le ministre du garde des Sceaux français, Moretti, qui opposait droit français avec au niveau de l'Union européenne, qui dit les grands problèmes parce qu'ils voulaient une seule définition pour viol. Parce que l'Allemagne proposait une définition pour viol, la France a une définition pâle à la française, et Suède a une définition pâle. Maintenant, comme si un débat seulement sous définition au niveau de l'Union européenne. Alors que nous-mêmes en Haïti, nous pouvons même définir ça n'est le viol là. Nous pas défini viol là. Alors que viol là, il y a plein, nous avons un code pénal. C'est grave quand même, Gomanes. Nous avons un code pénal qui a plus que 2 siècles qui mélange ni viol ni agression sexuelle. Parce que le viol et les agressions et sexuelles diffèrent. Mm-hmm. Parce que l'offre toucher des filles ou bien ou toucher celle ou bien ou toucher en partie intime que dans le corps, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'invité en tout cas, il n'y a pas de faire quand il y a ça, il n'y a pas de. Pas un consentement, donc c'est pas ton invitation. Il pas de faire une invitation, pas un consentement, ou toucher col, ou partie intime dans col, ou parler de sa viol, ou de sa agression sexuelle. Mais je dis, hein, donc, l'on pénétrer au monde, l'on pénétrer en fille, soit peut-être qu'avec partie sexuelle ou bien ou pénétrer avec un objet. Donc, c'est viol, mais ça va dépendre de comment le cas. Parce que si on prend un carotte ou pénétrer en fille avec l'envagel, l'ika viol, l'ika pas viol. Si on pénétrer l'envagel, mais ou pénétrer avec carotte là, à un caractère, à une idée, en caractère sexuel, ou pénétrer l'envagel et pour dire est-ce que le douce, est-ce que le sentit bien, là, les gon caractère sexuel, là, ça sont viol. Mais si on prend même carotte ça, c'est ça que je toujours dis à étudier mieux, prend même carotte ça, au fou et l'anus fille en et puis on dit qu'on a faut quitter fréquent, faut quitter fréquent, on va boire pas le coup, les accounions, c'est traitement inhumain, torture et traitement humain parce que n'y a pas de caractère sexuel. Donc tout ça, yo, c'est vrai que nous pas de jurisprudence, mais il faut nous un texte qui définit. Donc je dis, on va pas qu'on un code pénal qui l'a, un code de décision criminelle qui l'a depuis 1800, qui est plus que 2 siècles, depuis dans les années 1870. Donc imagine en 1875, avant constitution, on a un texte qui n'a pas appliqué. Et pas oublier que au Malaise, on l'autre problème encore. Nous avons un code d'instruction criminelle, un code pénal qui l'a avant même constitution, parce que nous avons une constitution qui l'a, qui implémente ça n'est la démocratie, 1987. Qui gagne le principe des droits et principe des droits et libertés fondamentaux, alors que nous avons un code pénal lui-même qui nie tout principe, pas tout, mais qui quand même qui nie certains principes essentiels en matière de droits mondiaux. Donc maintenant, il faut chercher un moyen pour uniformiser et justice pénale, non, et pour nous uniformiser, il faut nous amender et réouvrir le code pénal là, réouvrir le code de décision criminelle là. Nous avons choisi pour toujours le code de décision criminelle, nous avons choisi pour le code de procédure pénale, sauf que le code d'instruction criminelle, il y a l'autre connotation. Parce que lorsqu'on parle de code d'instruction criminelle, ou remonter dans le temps, ou remonter dans le code de Napoléon, ou nous remonter à s'annuler la détention préventive. Alors, que la détention préventive, parce que la tendance est inversée à ce jour, ou pas qu'à parler de détention préventive, parce que détention préventive, là, c'est l'exception que lié. Parce que c'est ça que moi, je dis qu'on problème que dans le code d'instruction criminelle, là, qui parlait à la fois de détention préventive, qui parlait de détention provisoire. Alors, que ou pas qu'à parler de détention préventive, parce que si on dit détention préventive, c'est comme si on venait le principe, c'est mettre mon nom en prison. Alors, ce que, donc, en constitution qui dit le principe, c'est pas mettre mon nom en prison, le principe, c'est quitter mon nom dehors. Maintenant, on peut mettre mon nom en prison de façon exceptionnelle. Donc, si c'est la détention qui est exceptionnelle, je veux dire, on ne peut pas parler de détention préventive. Donc, tout ça, il mérite, il faut nous donner des experts qui travaillent sur eux. Moi, je fais confiance avec les experts haïtiens, moi, qu'on est que compétents. Mais, je veux dire, nous ne pouvons pas fonctionner, pays n'a pas qu'à fonctionner avec code pénal, ça, nous gagnons avec code de décision criminelle. La répression pénale, la campé, qui est-ce qui a gagné contrôle ça? Bon là, c'est une bonne question. Et je dis en la répression pénale que le pape campé, effectivement, nous avons une répression pénale qui doit continuer parce que nous avons des bonnes armées qui commettent des actes criminels, nous avons des crimes qui commettent dans la société, nous avons des actes de vol, nous avons des infractions qui commettent chaque jour. Donc je dis, il faut une répression pénale. Maintenant, les gens qui commettent infraction à la police arrêtée, qui ça la fait? C'est ça le problème en fait, qui ça la fait? La voie devant qui est, la voie devant parquet. C'est ça, donc pas de facilité
on pas connaît, mais ça va faciliter la libération en pile criminel. Ça va faciliter, en tout cas, c'est Sinapé-Loi, a bien on facilité pour nous libérer un paquet de monde, parce que le 25 juin, et c'est peut-être ça que moi, attiré, moi, tiré une sonnette d'alarme avec l'autorité politique, le gouvernement et le CP pour faire rapide, pour rejoindre une proposition, parce que pour faire un bagage, parce que si on pas fait un bagage, on se dit, on se dit bien, est-ce que la répression pénale a campé? Non, elle n'a pas campé, parce qu'il y a toujours une inflation tous les jours. Maintenant, les OPJ ont arrêté, mon DCPJ a arrêté, mon DCPJ n'a pas arrêté la Cali pour un an, pour deux mois, pour trois mois, pour une semaine, pour deux semaines. Il faut le voir de l'autre côté. Maintenant, les films voient de l'autre côté, faut le voir devant le parquet, magistrat du parquet, parce que la DCPJ relève de l'autorité du parquet en matière de poursuite. Maintenant, l'elfine voyait devant de devant parquet à Kounia. Est-ce que Kounia même non procès verbal là? Kounia, est-ce que qui ça OPJ a metté la mettait monsieur le commissaire du gouvernement ou bien l'âme que la mettait monsieur le procureur de la République? Même procès verbal là pas irrégularité, parce que faut OPJ, faut DCPJ monsieur les comptes, ça l'a signé, faut pas marquer monsieur le procureur de faut pas marquer monsieur le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, il faut marquer monsieur le procureur de la République. Mais comment monsieur le comte va le faire pour marquer monsieur le procureur de la République? Parce qu'il n'y a aucun texte qui dit que et qui institue le procureur de la République. C'est même maintenant qu'il est devant paquet. Paquet a voué devant le cabinet d'instruction, pas de problème, il voit devant le cabinet d'instruction. Donc, il ne doit pas le distribuer. Les doigts distribuer, il voit le bon juge d'instruction. J'en ai dit tout à l'heure, il est devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction dit mon sang, pas à la gueule, parce qu'il faut mettre en détention pour ça, parce que pour protéger la société. Parce que quand il façon pour qu'un bien monde en prison, parce que l'important, soit arrêté, on est dans monsieur vivant sans mieux. Ou pas dire qu'on parle la gueule pour ça qu'on n'a pas la gueule ou arrêter l'audiquette pour m'éviter que pour pas faire c'est pour pas rentrer en relation pour pas faire pression sur victime, ça c'est un. Deuxièmement, pour pas parce que c'est victime pour le besoin de témoigner et etc. pour pas faire pression sur victime pour pas dire que pas le tuer victime pour pas venir témoigner. Deuxièmement, pour capable pour pas rentrer en communication avec monde par exemple qui t'a financé pour acheter des armes. Donc toute bagarre ça est important pour t'aimer monde en dehors de détention. Mais est-ce que juge Mouin ou bien juge Mantel ou bien juge Wando Saint-Villiers, est-ce qu'il est capable de faire des gens en détention à qui titre? Il n'y a pas de titre parce que au bon texte qui dit qu'il va exister encore. Le texte dit qu'il n'y a pas de pouvoir ça encore. Donc, ils sont prêts à le faire. Nous avons un droit préétabli, M. Blaise. Un droit préétabli, c'est la loi qui a déterminé ça n'a pas gagné comme sanction, l'en commet une infraction. Mais loi et tout, il n'y a pas de dépendre de, ou bien différents des mœurs, de coutumes, de bagailles qui ont un rapport sociétal, les faits sociaux. Comment est-ce que nous sommes d'accord, on dit moun 16 ans, on dit moun 16 ans, sûrement l'école. Dans le document, ça m'a parlé, elle dit si moun 16 ans, il a l'âge, soit le cas marié, 1, 2, 3. Dans le document, m'a parlé, elle dit cousin, cousine, qui a fait bagaille, n'en doit pas nous nouer l'inceste. Et que document ça n'a pas puni, alors que l'inceste puni. Là, document, nouveau document, parlé, nouveau projet code pénal, le code de procédure pénale, il dit que moun ka fait bagarre avec bête. C'est vrai, le droit haïtien est calqué sur le droit français, mais il y a la réalité, c'est la réalité française, et nous pas gagner ça, la caille pas nous. Comment on a pas adapté nous? Ou bien comment on oblige d'accord ça? Bien sûr que m'd'accord avec le réseau de Banco Feyo, mais tout ça, c'est des réflexions qui pour faire, c'est des experts qui pour chita souligner. Oui, effectivement, bon, en France, que la majorité sexuelle, il commençait à 15 ans. À 15 ans, il y a un petit monde qui a décidé pour le faire bagaille avec, sauf que pour maintenant, par gain, autorité, ça n'est que autorité parentale souligner. Mais un petit monde 15 ans, il est rentré dans une relation sexuelle avec un petit monde 16 ans, quoi que y ait de 2 ans, qui fait qu'il rentre à 17 ans. On dit que 15 ans qu'a choisi que pour le prendre un grand monde qui gagne pour le marier un grand monde 30 ans, 35 ans, oui. Et puis grand monde ça, il pas fait pas d'autorité parentale sur lui. Mais nous pas même culture effectivement en Haïti. Déjà, qu'on pas cette précarité qui gagne en Haïti, nous d'accord avec, parce que là pour tout monde 15 ans qui financièrement que parents que en fait que l'école 9e année fondamentale, 3e secondaire là au boulier. Bon, 15 ans tout, si on a que l'école en France tout, mais c'est pas même ça le problème. Le problème, non, c'est que c'est exploitation sexuelle, là, que vous nous, pas le exploitation sexuelle, parce que, on dit, on pas oublier qu'on dit, 15 ans en France, que l'État, pour que, il n'y a pas de nécessité pour aller coucher à un garçon, pour le cas, l'école, pour le cas manger. Mais en Haïti, on dit, 15 ans, que parents n'ont pas gagné, parents, c'est machin de fritaille, parents, c'est madame Sarah, les grandes précarités financières qui telles que ça a incité un grand monde, bah, on est, qui gagne 30 ans, 40 ans, qui gagne moyen en main, qui dans un an, où est son bel petit monde nié, qu'on y a pour le faire,
série de chantage sexuel pour dire écoutez, m'a mettre l'école, m'a payer l'école pour vous, m'a beau bel caim, et puis n'a dit bon pratique mettre blaise. Mais n'a dit bon pratique tout, si tout chef ici, il pas même mon gros là, il dit au lieu pour mon qui a 30 ans plutôt prendre 15. Donc mon ça yo mettre là, c'est on ville, on comme si on comme de caler un boulevard ba yo, vous faites éteint. Bon, ça ou informe une normale qui bat qu'on est avec 2015 là. Oh, n'est-ce pas pour mon qui a 30 ans plutôt prendre 2015. Bon, ça fait mourir, mais c'est bon. Mais maintenant, effectivement, donc, ça peut encourager, ça peut faciliter, favoriser l'exploitation sexuelle par rapport à la précarité. Donc, pour nous, tout le monde de Benazar, il y a une question de est-ce que, effectivement, que ça relève de coutume, non, de culture, non, que deux cousines, cousins, cousines, qu'on marie ensemble, même en France, tout que l'y interdit. Donc, par contre, que je vais vous dire que en mai, moins. Oui. Moi, par contre, côté que je dis comme ça, que je dis que la France, que cousin, cousine, frère, soeur, car marié. Non, parce que en France, en fait, que l'inceste, que au café inceste, par exemple, que on papa adoptif qui a couché avec un frère qui a fait bagaille avec un soeur, ou fait bagaille, mais il était dans l'illégalité, mon papa marié avec, en fait. Donc incest là que n'est pas légalisé en France. Par contre, côté on dit oui, c'est la France qui fait que au cas on se deux frères se ca marier, cousin cousine ca marier, non c'est pas ça du tout. Yo pas empêcher que mon yo rentrer dans relation sexuelle parce que yo gain ça les libertés et liberté sexuelle là, mais ça pas veut dire autant que yo cal devant l'Amérique pour venir et marier. Mais tout bagage c'est des bagages effectivement qui m'a dans pile réflexion, ça m'a dit que frère franchement, il faut faire parler avec objectivité. Et je vous dis, et au manège, il n'est pas suffisant pour des juristes qui sont dans la commission d'experts, dans la commission de réflexion, il faut avoir des sociologues, moi-même par exemple. Ah oui, des sociologues, des anthropologues, tout ça. Des anthropologues, effectivement, parce que moi, je lis par exemple, là, il n'y a plus bon contact avec l'autre sociologue encore. Et il faut avoir des anthropologues, il faut avoir des médecins, tout. Il faut avoir un pile d'autres monde, un pile d'experts qui gagnent parce que c'est en matière. Parce que le droit pénal, en fait, c'est un carrefour pluridisciplinaire. Donc, pour pas qu'à faire droit pénal, par exemple, l'on parle la guerre, l'on juge pas la guerre au monde. Juge pas la guerre parce que seulement que mon parce que mon n'a pas fait infraction, mon n'a pas commis infraction. Et jugeant que la guerre mon n'a pas exemple, que la guerre mon n'a parce que les balgades pour l'ouais et passer en France mon n'a, c'est des grandes phases difficiles. Est-ce que mon n'a sont mon qui sincère? Est-ce que les exprimer regret, les infractions fait commettre? Donc on paquet de facteurs qui a fait un juge qui a amené, qui fait juge amené à la guerre au monde. Donc maintenant c'est peut-être ça que donc le droit pénal n'est pas un droit pénal que mécanique, c'est des juristes, avocats. Qui peut réfléchir sur les noms, la responsabilité est pénale. J'aime des fois une discussion sur ça, le texte initial là. Mon cas peut-être trompé, le texte initial là, tu dis que pour y être engagé responsabilité pénale là, à partir de 18 ans. Moi-même, t'ai expliqué ici que pour moi-même, que m'étais opposé à ça, en tout cas, m'étais pas aux consultations. Moi, je dis par rapport à la criminalité qui est organisée en Haïti, par rapport à Timon qui a recruté au Manès. Vous regardez que Timon dans le village de Dieu, il y a Timon qui a recruté, Timon 11 ans qui a amené en Haïti. 11-12 ans, Timon net. Voilà qui est amené. M'étais expliqué, moi-même, t'ai pas avis, des avis écrits. Moi, t'ai expliqué, me dit, écoutez, pour moi-même, parce que Abgain ont impunité. Pour qui ça? Parce que le Timon, en 15 ans, fait un crime en Haïti, il tue un monde, il ferme, par contre, il fait un fusil, il tue 4-5 monde ou bien il tue 10 monde, ou dit ou pas engager responsabilité pénale parce que c'est mineur, sous prétexte que c'est mineur. Maintenant, qu'on y a, ça va être possibilité, monde qui va les amener, ou pas engager responsabilité monde qui fournit les amener. Parce que pour qui ça? Et pas oublier que, en matière pénale, il y a la complicité, il y a l'auteur principal. Et le complice. Donc, sous pas engager responsabilité et premier monde qui t'a fait infraction pour infraction qui a constitué, sous infraction, elle n'est pas constituée à l'égard. Parce que il y a une différence que mon pas fait peut-être. Il n'y a pas une différence entre la responsabilité pénale et la minorité pénale. Maintenant, l'autre, ou pas engager responsabilité pénale à 15 ans, il finit faire criminel, mais là, difficile que pour le prendre moi-même qui était balcob ou bien par contre, M. Joseph, M. Jean qui était balcob, qui était dit à tuer tel monde parce que vous dites infraction qui n'est pas constituée. Donc, sous dit infraction qui n'est pas constituée, et même mon qui débarque pour le faire infraction, donc vous pas qu'à foutre poursuivre mon entour. Donc, nous dit que non, le dangereux, nous avons toujours une minorité, et nous avons toujours une responsabilité pénale, mais
pendant que responsabilité et pénale pas dit que infraction que pas constituée et pour ça à l'égard de mineur. Donc, on ne peut pas mettre mineur en prison en fait, ils ont excuse de minorité, mais infraction que lui constituée. Donc c'est tout bagage ça que pour nous par rapport avec le contexte pays, culture paysan, genre contexte économique, ti monde gazam nan meyo, nous pas faire nous le luxe pour nous épargner un petit monde 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans pour dire qu'on ça que nous pas poursuivre devant la justice pénale parce que du coup de infraction. Non, va le finir mais peut-être dernière question pour m'aller. Les abrats de battre moins. Qui est-ce qui a parlé de détention illégale et arbitraire? Maintenant, effectivement, si on arrête un monde, on juge d'instruction qui a arrêté un monde, et moi développer le travail de recherche moyen, on juge d'instruction qui a arrêté un monde qui mettait en détention provisoire. Il mettait. Par contre, il mettait là 2 ans, 3 ans, 4 ans. Effectivement, et c'est là le problème. Non, parce que le juge n'a pas on date butoir, on délai butoir, qu'après délai ça, comme on n'a pas arrêté en détention et encore. Maintenant, il fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on n'a pas jugé, le juge n'a pas jamais rien à donner. Maintenant, nous n'avons pas parlé de détention illégale ou bien arbitraire, nous n'avons pas parlé de détention excessive, en fait. Maintenant, il y a un commissaire gouvernement qui en prend cas au Benson Pierre-Louis. Robinson Pierre-Louis a été arrêté par la police judiciaire, la police voulait le parquet, prend le placer dans la détention provisoire. Maintenant, détention, ça, sont détention qui est illégale et arbitraire. Parce que ce n'est pas le commissaire gouvernement qui doit mettre Robinson dans détention provisoire, c'est juge d'instruction. Maintenant, la détention devient automatiquement illégale et arbitraire. Donc, on différence entre détention illégale et arbitraire et on l'autre détention qui est détention excessive. Là, il faut en pile temps, on n'a pas jamais qu'à le juger. Donc, il y aurait des détentions qui sont excessives. Maintenant, les détentions qu'on y a, ce n'est pas l'autorité qui doit prendre l'an, ce n'est pas les mettre mon nom dans la prison, il y aurait ça des détentions illégales et arbitraires. Merci un pile, M. Blaise. Je suis content de faire parler ça avant, mais j'espère que c'est pour le pays. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Radio Omega. Voilà, Docteur Gaby Blaise. Avec Docteur Gaby Blaise, nous avons regardé la réalité, ça, c'est un nouveau projet code pénal et code d'instruction criminelle. La dedans il dit ti moun cousin cousine qui a fait bagaille, la dedans il dit moun qui a fait bagaille bête, mais document ça c'est Jovenel Moïse qui a publié. Nous t'a prend 2 ans pour nous travailler sur lui pour entrer en application. Et bien à partir du 24 juin document ça supposé entrer en application. Est-ce que nous prêt? M'a connait, mais c'est le temps de la pause. Nous n'a venir t'aller. Depuis la métropole du Nord, Cap-Haïtien, vous écoutez Radio Méga 107.3. Radio Méga, Cap-Haïtien, 107.3. FM. Radio Méga, la méga des radios. Nos affaires et l'argent en Haïti, puis bon choix, y'a mon gars.